levé tôt aujourd'hui, avec le soleil, ce qui est rare. Je suis sûre au moins d'avoir rien manqué de la journée. J'aime bien ce sentiment. C'est important, savoir qu'on n'a rien manqué d'une journée. C'est motivant. D'habitude, le soleil ne me laisse aucune chance et quoi que je fasse, j'ai toujours la désagréable impression que le monde entier s'est donné le mot pour se lever et entamer une journée palpitante sans moi. Alors je me dis qu'il est trop tard, bien trop tard, et que plutôt que d'avoir les miettes d'une journée déjà grignotée, mieux vaut encore se rendormir. Et je me rendors. Mais pas cette fois-ci, non. Surtout pas. Pas aujourd'hui, non. Aujourd'hui, jour de... Attention, messieurs. L'éclipse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est THE éclipse. Et je me sens débordant d'énergie. Je voudrais déjà commencer par un bon petit déjeuner. C'est important, commencer la journée avec quelque chose de chaud dans le ventre. Mais faudrait pour ça que je fasse la vaisselle. Et ça, c'est impossible. J'ai peur. J'ai peur de mettre les mains dans l'eau. Il y a des pattes et des épluchures qui ont bouché le siphon. L'évier est plein à ras-bord et une pellicule verdâtre s'est formée à la surface de l'eau. Seul, le manche d'une casserole émerge et la moitié d'un plat. Sous les algues, je ne sais plus vraiment ce qu'il y a. Selon mes estimations, je dirais environ une poêle, 5 assiettes, 3 ou 4 verres, 3 tasses et puis des couteaux, des fourchettes et des petites cuillères, un grand nombre. Sans doute. Et il faudrait que je fasse l'inventaire de ce qui reste dans le buffet pour être bien sûr des chiffres que j'avance. Mais ça ne changerait rien. Ce qu'il faut, c'est intervenir. Il faudrait que j'appelle quelqu'un. Mais qui ? La concierge, les plombiers... Un plongeur ! Un scaphandrier ! Les pompiers ! Mickey ! Minou ! Minet ! Qui peut bien s'occuper de ça ? En attendant, j'ai peur. L'autre nuit, en entendant des bruits d'eau venus de la cuisine, je me suis levée. Et dans la pénombre, j'ai vu un poisson bondir hors de l'eau pour donner un moucheron qui passait par là. Oh, un poisson, pas bien gros, hein, mais bien vorace. Un de ceux qui vivent en bande et qui vous dévorent, puff, quelques secondes. Bah, la vaisselle attendra. Je trouverai bien une solution pour déloger toute cette population marécageuse de mon évier. J'ai cru voir passer une libellule au-dessus de mon lit l'autre nuit. T'as faim, mon Mickey? T'as toujours faim. T'es gras. Oui, t'es gras. Mais dès demain, à la diète, de l'herbe à chat et rien d'autre. Je veux que tu retrouves tes allures de guépard, que tu redeviennes le prédateur qui régnait sur ma moquette, attendant tapis dans la pénombre de bondir sur les cafards qui ne sortent que la nuit, semant la panique dans les grands troupeaux d'acariens, se nourrissant de poissons d'argent et d'araignées du matin. Je veux que tu redeviennes le grand fauve qui régnait sur le gibier urbain et que tu cesses de te traîner du lit au lait, du lait à la fenêtre, de la fenêtre au lit. Tu me déprimes, chat d'appartement. C'est fou ce qu'il peut y avoir comme cochonnerie dans le si gentil petit biscuit. Ah, bref. Ce matin, je dois... Et tout ça avant l'éclipse. Pas de temps à perdre. Faut que je sois efficace. Efficace. Salut. Rien de propre, rien de repassé, comme d'habitude. Les pulls ont cette vertu qu'ils ne se repassent jamais. Évidemment, j'aurais peut-être un peu chaud en plein mois d'août. Mais au moins, je n'aurais pas l'air négligé. Bon. Mais avant tout,
avant de faire quoi que ce soit de tout ce que j'avais prévu, défaire le sapin. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, et on est en août. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Véron. C'était pour ça qu'elle était partie, à cause de ça. Si ce sapin est encore là, bah, je te jure que je te quitte. Pour quelques aiguilles sur une moquette, putain, t'en apprends si tu penses. Les femmes sont impitoyables parfois, hein. Évidemment, si j'avais acheté un sapin artificiel, je n'en serais pas là aujourd'hui. Facile à monter, facile à démonter, la branche A dans le trou A, la branche B dans le trou B. Mais si on doit se rabaisser aussi bas pour espérer garder son épouse, j'aime autant la perdre. 11h10. 11h10 ? Nom de Dieu ! Ne passe le temps ! Quoi encore ? Mais j'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi toute la journée ! Je peux pas faire comme tous les autres chats de ma connaissance qui subviennent seuls à leurs besoins en dépeuplant le jardin de tous les rongeurs qui y habitent, non ? Regardez-moi-le ! Regardez-moi-le, il est même pas le museau ! Je sais ce qu'il pense, hein. Il pense « Mais nous n'avons pas le jardin !» Mais il a raison ! 11h15 ! Soyons réalistes, j'arriverai jamais. Vous permettez, 2 secondes. Ça m'apprendra à me lever aussitôt. Avec le soleil. Déjà crevé. Oh, fourbu. Alors que le soleil, lui, sera là, sans le moindre doute, sans la moindre défaillance, à la seconde près, fixé depuis une éternité. Putain de soleil. Moi, ce qui est sûr, c'est que je serai jamais un soleil. C'est pour sûr. Jamais. Ticket de métro. Ouais, d'accord. D'accord. Comment ça, je lui enseigne ? La lettre ? C'est sûr. Bon, on fait comme on a dit, hein. Midi et demi, au Trocadéro. Oui, c'est ça. Allez, bisous. Attends. Tes enfants ? Rien de grave, j'espère. Non, ça va. Le plus petit saigne. Et ça va. Et la lèvre. D'accord. Tu sais, moi aussi de temps en temps je les appelle. Ça rassure. Et puis, on les voit si peu que de les entendre, leur parler, c'est du temps volé et partagé. Au final, ils grandissent si vite. Et on n'est même pas là pour les voir. Puis, surtout lorsqu'on bosse. Oui, j'ai pris sur ma poste pour les mener voir l'éclipse. On doit se retrouver. Moi aussi je vais voir l'éclipse. Avec Bertrand, mon nouveau compagnon. Je sais. Enfin. Il a l'air gentil. Non mais gentil ? Mais adorable, tu veux dire ? Là, par exemple, je suis sûre, il doit déjà m'attendre avec ses lunettes spéciales Eclipse, fabriquées maison. Il les a lui-même noircies à la bougie pour être plus sûr de leur efficacité. Faudrait surtout pas abîmer tes jolis yeux, darling Solange. Qui me dit ? Ah ! Adorable, que je te dis. Bon, je pars. Tu pars pas ? Si, si, je m'en vais. Ok. Je range. Au revoir. Oh, Marie. Il faut qu'on voit un truc important, tous les deux. Oui, quand ça ? Tout de suite, mon petit, c'est très important. C'est que... Oh, c'est que, mais c'est quoi, ça ? Il y en a pour un quart d'heure, pas plus. Il faut que ça parte avant 13h, impératif, permettez. Non, hein. Jamais on n'y arrive pas, hein. Quand je pense qu'il m'est arrivé de le trouver... sexy ? Mais quel con ! Ouais. Plus j'ai réfléchi et plus je me dis qu'on peut pas faire comme ça. Hein. Ça risque de nous poser des problèmes parce que... Hop, vous avez l'air pressé. Il est midi 2. Et alors ? L'éclipse. Vous ne voulez pas voir l'éclipse, vous ? C'est aujourd'hui.
Bien sûr. Bon, on a autre chose à faire, ma chère Marie, autre chose à faire. Ben, c'est pour ça que je me dépêchais, mes enfants. Bon, écoutez, vous allez leur mettre France Info, ils vont vous en parler de l'éclipse. Hein? Vous la verrez peut-être pas, mais vous allez l'imaginer. Et puis vous, en plus, vous êtes jeune. Des éclipses, vous avez le temps encore d'en voir, il y en a tout le temps. Vous pleurez? Marie? Je vous demande si vous pleurez. Excusez-moi, je suis ridicule. En effet, oui. Allez-y. Hein, c'est pas grave. Oh, je terminerai tout seul, au pire on perdra le marché, mais c'est pas grave, mieux vaut aller voir l'éclipse. Non, je vais rester. Non mais moi je vous dis d'y aller, hein. Si je termine tout seul, ce sera vraiment pas la première fois de toute façon. Hein. Excusez-moi, je suis ridicule, je vais rester. Ça je vous ferai pas dire. Vous savez ma chère Marie, c'est bien joli les éclipses, hein. Mais il faut quand même reconnaître que là, on a un très très gros budget à la clé. Hein. Alors si on rate ce coup... Excusez-moi, je suis ridicule. Il est vrai que c'est important et que... Je peux appeler mes enfants. Tiens, on dirait que ça se couvre. Oh, y a plus de saison. Marie, vous allumez, s'il vous plaît. Marie? Marie, mais allumez donc, on n'y voit rien. Ici, ça serait plus raisonnable. Oui, mais quand même, c'est une éclipse. Une annulaire, qui plus est. On en a parlé à la télé. Jean-Pierre Pernaut. Ah, ça! Si Jean-Pierre Pernaut l'a dit, les carottes sont cuites! Vous en verrez d'autres, Madame Riddell. Puis, même des annulaires. La prochaine est dans... environ 28 ans. Vous serez encore là dans 28 ans. Allez, mais... Dans 28 ans, elle sera là, fidèle au poste, devant le petit-fils à Pernaut. Et moi, elle mourra enterrée en grande pompe. Enfin, arrêtez de vous engueuler tous les deux, hein. Bon, venez. Ouais. Vous feriez bien de bien prendre vos médicaments, et bien dans l'ordre, pas comme la dernière fois, hein. Bon, allez, moi je file. On est bien soin d'elle, hein? Ah, si vous croyez que c'est si simple. Dans 28 ans, un mémé. Où que tu vas? D'après toi. Même l'infirmière en qui tu as toute confiance et qui vient chaque matin t'a défendu d'y aller. Tu risquerais de faire une attaque sous le soleil de midi. Tu ferais donc mieux de rester ici. Ça serait plus raisonnable. Raisonnable? À mon âge? Ce Gaston en a de bonnes. Ils ont tous tellement insisté pour que je reste à la maison que je me suis dit que j'allais y aller. Josette, reviens ici. Josette, sale tête de mule, reviens ici. Ce ne sont plus des pas, c'est une faveur que me font mes jambes à chaque instant. Plus je vieillis, plus je rapetisse et plus je me courbe sous mon fagot d'année morte.
sais que la prochaine éclipse, c'est pour le 3 septembre 2081. C'est pas demain, ça? Où je serai, moi, le 3 septembre 2080, quand on installera mes enfants déjà sénils au soleil, quand leurs enfants, dans la force de l'âge, lèveront les yeux au ciel, quand leurs petits-enfants attendront fébriles sur la jetée, quand leurs arrière-petits-enfants se mettront à pleurer lorsque la lune grignotera le jour. Où je serai? Je me le demande. Ce que je sais, c'est que je n'y serai pas. J'aurais pris trop de recul, trop d'altitude. Je n'y verrai plus rien de là-haut. Je serai à la mauvaise place, du côté du soleil, dans le meilleur des cas. Et peut-être que je les regarderai tous regarder vers moi, sans me voir, le nez en l'air et la réveille. Ce rendez-vous qu'on me donne déjà, 3 septembre 2080, je ne pourrai pas y être avec la meilleure chance du monde. Bah, à moins qu'on te congèle et qu'on te décongèle le 3 septembre matin, dit-il. Voire même le 2 au soir pour être plus sûr. À moins qu'on te clone. Arrête, je n'y serai pas. Il ne faut pas rêver. À l'idée de cette fête prévue de longue date et à laquelle je ne suis même pas invitée, je désespère. Tu sais, ils feront ça très bien sans toi. Nul n'est indispensable. Mais c'est bien ce qui me fait de la peine. Je ne suis indispensable qu'à moi-même. Tu sais, tu m'es un peu indispensable à moi. Aussi, si tu veux savoir... La Terre continuera de tourner. La Lune aussi. Le Soleil n'a qu'à briller et attendre à la même place. Et tout se passera comme prévu, sans moi. Sans moi non plus, si ça peut te rassurer. Je suis désolée, moment de mélancolie métaphysique. Spleen. Ce sont les astres qui nous troublent l'esprit. Hein. Bon, allez, on y va? Non, franchement, je n'irai pas. Je vais me faire mon éclipse toute seule, mon obscurité personnelle. Je tirerai mes volets à la face de ce soleil qui m'ignore et qui s'en moque, lui, où je serai le 3 septembre 2080. Et aussi longtemps qu'il me plaira, pendant 3 jours, si ça m'amuse, je resterai dans le noir. Joyeux programme. Bon, allez, c'est pas si grave. C'est la vie. Non, j'irai pas. C'est pas la peine d'insister. Ça me ferait trop mal. Ça me ferait penser à ce 3 septembre 2080, quand je serai plus là pour voir les filles. Plus là pour personne. Et même plus là pour toi. Vas-y, toi. À quoi bon, sans toi? Ne vous inquiétez pas, mon travail c'est de remettre en ordre les deux ans de travail des autres. J'ai l'habitude. Ah, Marc, il faut qu'on voit un truc urgent tous les deux. Oui, quand ça? Mais là, tout de suite, mon petit, c'est important, très, allez, mais, allez. Mais c'est que... Il n'y a pas de mais, il n'y en a que pour un quart d'heure, pas plus. Mais il faut que ça parte avant 13h, impératif. Allez. Elle le dévisage en le trouvant plus séduisant que jamais. Le ton qu'il avait utilisé en entrant dans son bureau ne lui avait laissé aucune chance de s'en aller. Il avait cloué sur place, sans excès d'autorité, mais avec ce talent rare, cette fermeté délicieuse du cadre supérieur. Elle le connaissait bien. Elle savait que s'il était arrivé tout décoiffé, c'était de s'être passé et repassé sur les doigts dans les cheveux toute la matinée, se penchant sur d'insurmontables dossiers. C'était l'ébriefement du manager. Tout à l'heure, elle avait croisé avec sa plus belle cravate. Et il lui avait d'ailleurs fait remarquer. Vous avez une très belle cravate. Mais là,
Il avait déboutonné son col, ne la portait plus. Il avait dû la retirer avec cette manière bien à lui. Ce geste vif du bras, ce balancement de la tête qu'il prolonge pour se décontracter la nuque. Elle avait déjà pu assister au cérémonial. Et à chaque fois, elle en avait été tout émoustillée. En dépit de ses craintes, et grâce à sa terrible efficacité, ne mirent pas plus de 20 minutes pour tout finir. C'était encore jouable pour l'éclipse. Elle se leva pendant que le cœur semblait réfléchir, encore en se caressant le menton. Non. Plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'on ne peut pas faire comme ça, là. Ça risque de me poser des problèmes, parce que... vous avez l'air pressé, là. Midi 2. Eh bien, et alors? Et alors? L'éclipse? Vous ne voulez pas voir l'éclipse, vous? C'est aujourd'hui? Bien sûr. Mais écoutez, on a autre chose à faire. Mais c'est pour ça que je me dépêchais, mes enfants... Vos enfants attendront, et le soleil aussi. Marie. L'agence est déserte. À travers la fenêtre entrouverte, la ville semble calme et patiente. Leurs pieds s'effleurent. Le signe imperceptible de leur consentement mutuel traverse leurs yeux. Il fait sombre, presque nuit. Ils s'allongent sur le bureau, les fesses sur la paperasse, chavirés par l'influence lunaire et le parfum de ses aisselles de décideur. Elle laisse tomber sa tête en arrière sur le clavier de l'ordinateur. Des lignes de lettres courent sur l'écran comme la longue onomatopée de leur saillie. Et en percevant mon trouble, elle a reposé la même question avec une pointe d'inquiétude dans la voix. J'ai pas pu lui répondre. Tu crois qu'il faudrait? Tu sais, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il est peut-être temps maintenant de faire une mise au point et d'éclaircir certaines choses qu'elle sait déjà. Tu crois? Ah oui, tout de même, mais... c'est que... c'est difficile d'annoncer ça comme ça à un enfant brutalement. Hein. Comme réveiller un somnambule ou marcher sur la queue du chat. Allez, courage, jette-toi à l'eau, regarde, elle attend. Non, mais par où je commence, moi? Tu sais, chérie, le plus simple est de commencer par le commencement, en lui rappelant certaines choses qu'elle connaît déjà. Bon, toi, vas-y, en premier. Hein, entre fils, ça marchera beaucoup mieux, elle comprendra mieux.
je commence. Mais après, tu continues. C'est au père de dire ces choses-là. Ok, mais commence. Lisette. Lisette. Tu sais que les garçons ne naissent pas dans les choux, pas plus que les filles dans les roses. Oui, j'en sais bien. Et tu te rappelles des mécanismes de fécondation dont on a parlé avec les spermatozoïdes et... Bah, tu parles pas du tout bien de comprendre ce que tu veux en venir. Elle est encore beaucoup trop jeune pour apprendre. On le lui dit aujourd'hui. Vas-y, continue. C'est le moment. Vois-tu, Lisette, c'est comme le Père Noël. To be the Père Noël or not to be the Père Noël. Le Père Noël se moque des enfants. Hein? Voilà, le Père Noël n'existe pas. Hein? Ce sont les parents qui vont dans les supermarchés, qui achètent des cadeaux pour faire plaisir à leurs enfants. Ta liste de cadeaux pour le Père Noël, hein? Eh ben c'est ni plus ni moins qu'une liste de courses à faire, voilà. Il faut bien voir les choses en face maintenant, tu es grande. C'est comme la petite souris qui vient te voir quand tu perds une dent et qui te laisse un pourboire en repartant. Ça ne te paraît pas bizarre cette histoire, non? Si, un peu. Bon, et eh ben alors il faut le dire. Tu vas pas te mettre à gober tout ce qu'on essaie de te faire croire. Non. Les souris, c'est pour les souricières et le lapin de Pâques à la casserole. Ben voilà la réalité des choses, ce qu'il faut que tu comprennes et que tu acceptes. La poule aux œufs d'or, les feux follets, la Sainte Trinité, le Père Fouettard, le Trambeau, les choses, ça n'existe pas. Les champignons atomiques, l'Immaculée Conception, les anges, les agios et le soldat inconnu qui fait des flammes, ce sont des inventions. Et les poissons chats, n'en parlons pas. Les poissons chats, ça existe. Comment ça, ça existe? Mais demande à ta mère. Ça n'existe pas, les poissons chats. Non, ma chérie, il y a les poissons, il y a les chats, mais les poissons chats, bien sûr que non. Putain, on va trop loin et trop vite, chérie. Tu continues. Tout et le reste. Les esprits frappeurs, les extraterrestres, les éléphants de mer, le marchand de sable, la fellation et la terre de feu, ce sont des inventions. Et les petits bébés qui naissent tout roses en criant « Maman !» Tu crois que c'est vrai? C'est tout rose, c'est moche et ça saigne un bébé, c'est ça la vie. Demande à ton père à quoi tu ressemblais. Et tout ça, et tout le reste, c'est des histoires qu'on raconte aux petits et aux grands pour les faire dormir ou les empêcher de dormir. Et c'est quand on a compris ça qu'on est une grande fille, une petite femme même, presque une maman, comme maman. T'as compris maintenant? C'est un peu normal qu'elle soit déboussolée, comment veux-tu qu'elle fasse la part des choses à son âge? Certes, mais mieux vaut tout dire d'un coup, c'est comme un pansement qu'on arrache, ça fait moins mal si on tire d'un coup sec. Quand on voit l'éclipse? Oh putain, c'est pas vrai. Mais tu le fais exprès, comment il faut te le dire? Calme-toi, chérie. Les éclipses, Lisette, c'est pareil que tout le reste. C'est pour faire joli. C'est comme les étoiles filantes. Les étoiles filantes, je regrette, ça existe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et les vœux qui vont avec? Idiote! Pourquoi tu pleures? Pleure pas. Si tu pleures. Faut pas dire que tu pleures pas si tu pleures. Est-ce qu'elle pleure, oui ou non? Calme-toi, papa. Oui, c'est vrai que tu pleures. Pourquoi tu pleures? C'est parce que tu es déçu pour les éclipses. D'accord, vas-y, pleure, ça te fera du bien. Tu te sentiras mieux. Et les bonhommes de neige, ça existe au moins, les bonhommes de neige? Putain, moi j'en peux plus là, c'est au-dessus de mes forces. Les bons hommes de neige, on dit les bons hommes de neige. Ça fait moche, bons hommes de neige. Oui, mais c'est comme ça, point barre. Alors, ça existe, les bons hommes de neige? Je n'en ai pas rencontré, personnellement. Oui, mais ça existe, oui ou non? Non, 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 non et non, ça n'existe pas. Elle en a beaucoup appris aujourd'hui. Laisse-lui les bonhommes de neige, si elle y tient. Allez, oui, papa plaisantait, ça existe. Ouais, tu veux, ça existe. Mais ça vit pas longtemps. Ça fond comme neige au soleil.
Marie, Solange, faut qu'on voit un truc urgent tous les trois. Oui, quand ça? Mais là, tout de suite, mon petit, c'est important. C'est que j'ai rendez-vous. Non, 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 hein, y en a pour un quart d'heure, pas plus. Mais faut que ça parte avant 13h. Impératif. Permettez. C'est pas vrai. Dans le meilleur des cas, on en a pour une demi-heure. Bertrand, il m'attendra jamais. Et moi, mes gosses, seuls, au Trocadéro. Mais va faire comprendre à ce trou du cul qu'on a une vie de famille. Va lui faire comprendre que dans 30 minutes, tout sera fini, que la lune laissera déjà le soleil reprendre sa place. Et quand, en arrivant au Trocadéro, tu retrouveras tes enfants en larmes, probablement. Ou alors, tu les trouveras pas. Ça, mais... Arrête, Solange, c'est pas marrant. Mais, et moi, crois-tu que Bertrand m'attendra? Il sera là, au bras d'une greluche, en train de zioter ses nibards au lieu de regarder le ciel, avec ses lunettes à la con en plus. Merci à la bougie. Parce qu'il a ses pains dont on peut en acheter au magasin. Des belles, des madines. China. La Chine. Parlons-en. Au boulot. Encore jouable si on se presse. Plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'on peut pas faire comme ça. Ça risque de nous poser des problèmes. Vous avez l'air pressé. Eh bien, il est midi 2. Et alors, l'éclipse. Vous voulez pas voir l'éclipse, vous? C'est aujourd'hui. Bien sûr. Non, mais c'est bien joli les éclipses, hein. Mais ça fait pas bouillir la marmite, hein? Hein? Je m'en vais. Non, mais c'est une plaisanterie. Non, pas vraiment. Non mais, vous vous rasseyez, j'arrive que nous terminions. Lâchez-moi! Allez vous faire foutre! Vous, rasseyez-vous! D'Olonne avec ses écussons multicolores achetés à mon fils Lolo. Ça. Et plus je m'interroge. Combien d'années déjà que je ne suis pas sortie de chez moi? Qu'on garde au chaud de peur que je prenne froid pour de bon. Combien d'années qu'on m'empêche de sortir de peur de tomber sur un os et de me le casser? Une éternité. Et tout a changé. Il n'y a plus de pavés dans ma rue. Ils ont fait les trottoirs.
chiens qui me croient sont différents. Les crottes de chiens sont différentes. Et toutes ces automobiles, de plus en plus mobiles, de toutes les couleurs. Tiens, j'ai écrit à ton frère. Eh ben. Des vacances de rêve. Tu crois pas que t'exagères un peu? Ben, tu trouves toujours quelque chose à redire. On n'est pas bien ici. Si, on est bien. Mais de là à parler de vacances de rêve... Bon, comme tu veux. Je recommence et je mets... Bien le bonjour de la Côte de Miel, où nous passons les vacances de merde. Tu préfères ça? Tu peux être susceptible, je sais pas, moi tu pourrais mettre... Bien le bonjour de la Côte de Miel, où nous passons d'agréables vacances. Bon, et si je trouve que je passe des vacances de rêve, moi, ça te dérange que je l'écrive? Je vais pas retourner au tabac, claquer 2 € pour acheter une nouvelle carte. Tout ça pour transformer mes vacances de rêve en agréables vacances. Et pour ton frère en plus. Voilà. Ah, c'est pour ton oncle. Le soleil brille et nous nous baignons tous les jours. T'es gonflé. Et alors? Ben, c'est pas vrai. Tu sais bien que c'est pas vrai. Tu sais très bien qu'il a fait un temps dégueulasse et qu'on n'a jamais pu aller baigner. C'est pas vrai. On a été à la plage 2 fois. On a trempé les pieds dans l'eau. Putain! Qu'est-ce que vous avez à vous couper les cheveux en 4? Dis maman, je peux prendre mon chapeau pour aller à la plage? Bien sûr ma chérie. En espérant qu'il fera meilleur qu'hier. Merci. Alors là, non. Quoi, non? Tu peux pas mettre qu'on a été voir l'éclipse, tu mens? Et ton frère, qui nous parle des aurores boréales d'Alaska, du rayon vert des Kerguelen, des équinoxes de printemps. Tu crois qu'il nous ment pas un peu, monsieur? Je sais tout, j'ai tout vu. Tu préfères que je lui parle des moules frites du bar de la marine, peut-être? Et pourquoi tu ne lui dirais pas qu'il y avait des nuages? Tais-toi! C'est entre lui, ta mère et moi. Bon, on y va. On va à la plage. Oui, ma chérie, on y va. On y va même tout de suite. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Assise. Tiens, dessine-nous une éclipse, enfin sous l'éclipse. Ça fera plaisir à tonton. C'est quoi une éclipse? C'est ce qu'on aurait dû voir hier. J'ai pas vu? T'es pas la seule! Je sais! C'est bon, c'est pas grave. Tu fais un gros soleil tout noir et toute la famille en dessous, ils seront contents comme ça. Un soleil noir, ça n'existe pas un soleil noir. Si, 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 quand il y a une éclipse! C'est comment? C'est comme un arc-en-ciel? Bon, on dessine un soleil et je le colorierai, moi. Qu'est-ce que... Ta-ta-ta-ta... Objection. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche! Ton cousin, 2 ans, dessine mieux que ça, on dirait un petit gribouillis! Bravo, t'es contente, t'as gâché la carte. 2, 3. Et moi, chiou. Ah bon, c'est comme ça! Eh ben, si c'est comme ça, je vais me dessiner tout seul! Ça y est, j'ai fini. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil est parti. Comment ça, parti?
C'était hier l'éclipse. C'est juste les nuages. Il pleut. Les vacances de rêve de ton père. C'est bon, il pleut 3 gouttes. Allez hop, tout le monde dehors, hein. Sur ma nuque. Toujours d'aplomb, soleil de plomb. Je ne te survivrai pas, je crois. Est-ce bien raisonnable d'être là, à mon âge, d'aller où je vais? L'infirmière m'avait prévenue, mais j'ai passé l'âge de raison et je voulais voir le soleil devenir noir. C'est une chose à laquelle j'ai du mal à croire, un soleil noir. Mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer? C'est comme le veau de lait élevé sous la mer. Vous en avez déjà entendu parler, vous, du veau de lait élevé sous la mer? Et ils mangent quoi? Du plancton? Des algues? C'est la fin du siècle, la fin des haricots. Je fais de petites glissades sur le sol. C'est pas vraiment marché, non. Mais j'avance. Au bout du compte, c'est ce qui compte. Déjà au coin de la rue. Je fais une pause. Il y a une nouvelle boutique, là, à la place de l'ancienne boutique. Un bébé passe dans un landau. Un bébé avec tellement de cheveux. Mon Dieu, beaucoup trop de cheveux. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme maladie, les nourrissons d'aujourd'hui, pour avoir autant de cheveux? Je reprends ma route. Je croise les jambes nues d'une fille pressée. Et tous ces mégots, tous ces crachats pas clairs. Que de crachats, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à cracher comme ça? Je sais pas, on crache pas. Dis pas le contraire, je t'ai vu. Hein, mademoiselle? Il a craché là, sous votre nez, c'est dégoûtant. Je sais pas, c'est comme les joueurs de foot, ils marchent, ils crachent. Ils shootent, ils crachent, c'est naturel, c'est comme respirer. Je parle à Justine, pof, je crache. C'est comme une ponctuation. Il me dit « je te kiffe trop », pof, il crache. C'est comme pour souligner cela. C'est ça, c'est une soulignure. Une giclure, tu veux dire? Comment tu peux supporter ça, toi? Je sais pas, j'aime bien, c'est viril. Allez bien, on s'en va. Moi, mon Gaston l'aurait fait ça, j'aurais craché à la figure. Depuis ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai qui ne leur plaît pas aujourd'hui? On n'aime plus Lulu. C'est ma fille qui est trop ou quoi? Ça m'inquiète un peu. J'en ai quand même envie de faire, tout à l'heure. Il est arrivé droit vers moi, sûr de lui, en me parlant d'argent. Tout de suite, je lui ai dit, c'est comme ça qu'on parle aux femmes. Et je lui ai envoyé ça. Ceux qui sont pas fichus de me faire la cour ne serait-ce qu'une minute, ou au moins de me dire que j'ai de beaux yeux. Il dégage! Et ceux qui arrivent en ayant l'impression que tout est gagné d'avance, j'en veux pas. Vu l'affluence, je me demande si j'ai pas eu tort toute ma vie. Salut Lulu! Triste journée. D'habitude à cette heure-là, j'ai déjà fait plus d'un euro. Mais aujourd'hui, tout est mort. Moi, c'est pareil. C'est parce que j'ai changé de rouge à lèvres, dit. Ça fait vulgaire, c'est ça. Mais où ils vont tous? Je
Excusez-moi, mesdames, le parc, c'est bien par là? C'est tout droit, mémé, vous pouvez pas vous tromper. Mais qu'est-ce qu'ils ont à passer comme ça? Même les vieux sont sortis. Et toi, au fait, pourquoi tu te tires? Et qu'est-ce que vous avez tous? J'ai dit à ma collègue Gigi qu'ils avaient tous la tête en l'air aujourd'hui. Et elle m'a répondu, c'est à cause de l'éclipse. Et là, je m'en suis souvenue. Et vois-tu, ça m'a rassurée de savoir qu'on me trompait pour la lune, parce que la lune, c'est un peu notre gagne-pain. Alors je me suis dit que j'allais y aller moi aussi, plutôt que de rester là, à attendre, pour rien. J'ai arrangé mon décolleté, je me suis remaquillée pour l'occasion, et me voilà. Allez, à plus. Ciao, Vita. Bon, ben, c'est pas ça qui va faire mouiller ma main. Bonjour. Vous n'allez pas voir l'éclipse? Si, enfin, non. Enfin, je sais pas. Vous savez, moi, les accouplements sidéraux. Je préfère les choses de la terre. Les choses comme les yeux des filles, les yeux beaux comme des étoiles. C'est gentil, ça. Les yeux beaux comme les vôtres, quoi. Comme la lune va s'unir au soleil, nous allons unir nos vies à jamais. Notre vie à l'image des astres du cosmos. Bravo. Pauvre con ! Mais qu'est-ce qu'elle fout, merde ! Avec ma chance, elle arrivera lorsque le soleil et la lune se sépareront, là. Lorsque la foule se dispersera. Tout sera raté, on ne peut plus rater, là. Des allures de soufflé qui s'affaissent. J'ai l'air sain, moi, avec cette vague dans la poche. Et cet abruti qui a la même idée que moi. Sauf que moi, je suis seul. Excusez, pouvez prendre une photo? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Thank you. Merci. Oui. Elle est peut-être malade. Faut voir avec l'autre, là, le cœur. Quel abruti, celui-là. Bien capable de lui fourguer un travail dernière minute. Hein. Allez, Solange, mon petit, une urgence. Quel abruti. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, lui, des astres en furie? Après avoir survolé la foule, de haut en bas, de haut en large, un insecte sans nom, même pas répertorié, s'était dit, bêtement je vous l'accorde, qu'il serait bien sur l'épaule de... Ah non. De cette petite brune sucrée. Derrière ses yeux à facettes, en attendant la lune, comme tout le monde, il fit quelques pas sur la bretelle de dentelle qui parcourait la peau en vrai. Miam, 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 je vais me régaler de cette perle de sueur acidulée. Il y eut un grand courant d'air, un claquement. Aïe. Quelque chose qu'il perçut, tout en ne le percevant plus. Ben, bah, qu'est-ce que t'as? Ah, oh, quelque chose m'a piqué. Ça va, non? Dis, Sandra, t'es sûre qu'elle va venir, maman? Mais oui,
elle va arriver. Regarde avec ce monde, c'est normal qu'elle soit en retard. Tu fais voir, la poussette de la lèvre? Non. T'as les lunettes? Oui, tiens. Eddie? Il est loin du bureau de maman? Non, pas très loin. Allez, t'inquiète pas, Juju. Oh, regarde, ça commence. Le soleil est rongé. Oh. Oh. Sandra, tiens-moi la main, s'il te plaît. Oh, mais tout cela se passe là-haut. Bien trop pour mon pauvre dos. Alors, voûté sur ma canne, je regarde les pigeons qui nous piquent entre les jambes. Et leurs chaussures à tous ces gens. De drôles de pigeons. De drôles de chaussures. Une drôle d'obscurité aussi. Un trou noir. Un drôle de trou. Tout noir. Au milieu de tous ces gens qui dévisageaient le soleil, on était deux, tête en l'air, à avoir oublié nos lunettes. Et tout était gâché. On regardait nos pieds. On regardait nos pieds et puis on regardait. Les gens regardaient. Et la lumière qui changeait le monde. Et puis, on est tombé dans les yeux l'un de l'autre. Je suis tombé dans ses yeux parce que je savais pas vraiment regarder. Et là, on a tout vu. Les couchers de soleil de feu, l'avenir tout rosé, les mecs heureux et les beaucoup d'enfants. On a tout fait pour se rapprocher, tout fait pour s'accrocher. Mais quand tout est redevenu comme avant, quand tout le monde a baissé les yeux, on fait comme tout le monde. Nous aussi, on a baissé les yeux. Et puis la foule s'est dispersée, chacun rentre chez soi, le regard allumé. Et nous aussi, le regard allumé, on est rentré chez soi. Bon, viens, Juju, on rentre à la maison. Maman doit nous y attendre. Mais pourquoi qu'elle n'est pas venue, maman? Je sais pas, viens, Juju. Sandra, je saigne de la bouche. Ouais, personne ne me parle et je parle à personne. Sauf Ninette, évidemment. Un petit coup de gros rouge qui vous barbouille tricot et lave et on refait notre vie. On refait le monde, on parle. On n'a ni télé, ni radio et on lit pas les journaux. Moi, les journaux, je dors dedans. Ça me tient chaud. En fait, je l'ai su au dernier moment, au tout dernier moment. J'étais allée me refaire une beauté à la fontaine. Ça me débarbouille un peu, hein. Faut ce qu'il faut, je reste une femme tout de même. Quand j'ai vu tous ces gens regarder en l'air autour de moi, c'est là que j'ai compris ce qui allait se passer. Mais le bébert, il était plus loin à finir sa nuit. Impossible de le prévenir. Le destin en marche, le tragique, la fatalité. Ouais, moi j'étais sur mon banc. J'avais dormi longtemps. Qui boit, dort, dîne, déjeune et tout le reste, hein. Je dors et je bois beaucoup, hein. Faut ce qu'il faut, hein. J'ai rassemblé toutes mes affaires en attendant que la Ninette se pointe. Ninette, c'est comme toutes les femmes, loche ou pas, ça aime se faire désirer. Mais personne n'est venu me voir. Alors, j'ai vu ces gens, le nez au ciel, et j'ai compris qu'on ne me demanderait rien aujourd'hui, que le spectacle serait gratis et que tout le monde pourrait y voir, même les petits. J'en ai profité comme jamais, comme personne. Je suis monté sur mon banc. Et j'ai ouvert grand les yeux, aussi grand que je pouvais, pour enfoncer tout ça au fond des yeux. Putain, bien au fond! Et comment il aurait su qu'il fallait mettre des lunettes pour se protéger? C'est maintenant qu'on nous le dit. Maintenant, c'est trop tard. Il n'y voit plus rien, le bébé. Aveugle au troisième degré. Arrête, Lunette. Arrête de leur mentir. J'ai une mauvaise foi, monsieur dame. J'en avais entendu parler de l'éclipse. Par hasard. Oui, coup de théâtre. Il le savait bien qu'il fallait mettre des lunettes pour se protéger. Il l'avait bien compris. Ah. Les bons comédiens, le bébert. Pour sûr, j'assume tout. C'était mon choix. Faut dire que des choix, on a tellement peu l'occasion d'en faire. Alors le bébert, quand je suis revenu de la fontaine, il m'a dit... J'ai décidé de regarder cette éclipse droit dans les yeux. Mais t'es fou que je lui ai dit. Mais c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit que les yeux nus. On aurait dit du Shakespeare.
il y a des choses qu'on ne voit que les yeux nus. Et que moi seul j'ai vu. Tu sais, Ninette, je verrai peut-être plus jamais, mais ça au moins je l'aurais vu. Tu comprends? Pour sûr que je comprends, mon Hébert. T'es un vrai poète. Le soleil tout noir. Notre mélancolie. Je l'aurais vu. Vu à m'en brûler les yeux. Et quelle différence, je verrai peut-être plus. Je préfère. Tu vois plus ton reflet dans les vitrines? Tu vois plus ma trône flippée? Tu vois plus certains regards? Je vois plus ma bouteille me sauter à la gorge, mes godasses qui vomissent mes pieds et mes mains qui me plaignent. Tu vois plus la connerie, tu vois plus le monde tel qu'il est, tu vois plus tout ce que tu veux plus voir. Je te vois toi, Ninette. Je te vois avec mon cœur. Je vois encore un peu le public, à peine. J'ai choisi ma dernière image. Beaucoup de lumière. Tu sais quoi, Ninette? L'hiver prochain, une nuit avec un très grand froid, ben, tous les deux, on file, on s'engourdit l'un à l'autre, on s'éclipse. Thank you.